Après 3 ans d'absence dans les vidéos de chasse, Chasse Évolution est de retour. Média Production Chasse Évolution est fier de vous apporter avec nous dans notre trip de chasse à la pourvoirie du lac Brûlé. Salut, on est à pourvoirie du lac Brûlé. On est venu pour checker le territoire. On va chasser l'ours cette année ici. Puis on a la chance que c'est les premiers clients de chasse. Il y a une gang d'Américains qui sont rentrés. Puis là, il est rendu à peu près à 8 heures. Puis là, on attend. Ouais, puis là, ça a l'air, les bêtes ils bougent à fond. Fait que c'est ça, on a bien hâte de voir si on va avoir la chance d'avoir des captures. Fait qu'on attend après ça. On attend la carte de notre chum Patrick est parti voir... les chercher, voir si on a des captures. Fait qu'on vous revient avec les images, on a bien hâte de voir ça. Bon, ben c'est confirmé, notre chum Patrick vient d'arriver, là, puis il y a un de la gang qui vient tirer, fait qu'on s'en va voir ça, fait que on vous emmène avec nous autres. Let's go! That other one. Le premier est parti par là. Right down that way, it sounded like. Right out through here. He wheeled around and went right down through here. On va laisser Bob aller, là. OK, Bob? Oui. Yes, sir, guys. Woo! Thank you. Thank you, guys. Woo! Nice one. Nice one. Nice, huh?
Bon, on a descendu à Pourvoirie du lac Brûlé. Puis là, on a eu la chance, tabarouette, de venir chercher après un beau gibier, tabarouette. On est bien heureux que toute la gang est là. Puis, it's my friend American here, shot the bear. Hey! Hey! Good shot. Yes, sir. Thank you. Bear. Happy for you. Quelle belle semaine de chasse pour nos amis américains qui ont presque leur quota ou vu plusieurs belles ours dans leur séjour de chasse. That's all my friend American. Good shot, bud. Another one. Hey, tell little man he's got it. That's cool. Excité et fébrile, la fin de semaine d'après sera notre tour pour la chasse à moins Steve, armé de nos armes. Le bagage est prêt, le pick-up est loadé. C'est le temps de partir pour notre séjour à la Pourvoirie. Wow. Arrivé à la Pourvoirie, ce fut un accueil chaleureux, comme si on faisait partie de la famille. C'est quoi qui est arrivé à ta flèche? Elle est cassée. Pour de vrai? Non, ça. Ah, là, elle est pointue, hein? Après une bonne nuit de repos, quoi de mieux qu'un bon déjeuner avec notre petite famille avant de commencer notre expédition, pendant que Patrick, le pourvoyeur, et Bob, le guide, préparent nos salopes. C'est un secret. Non. Je vais dégueuler. Allô, Zach? La pneu, mange tout, là. Ah, mange tout. Non, la pneu! Nous voilà décollés pour notre première soirée de chasse. Arrivé au spot, comme d'habitude, Bob il prépare tout son setup. Nous, on prépare la caméra au sol, on ramasse notre bagage, on monte ça dans la cache, installe les caméras, on s'assit pour l'attente de notre jubilé.
Yeah. Ah, le gros jeu. Hein? Man, je shakeais comme un STP. Gros, j'étais plus capable, moi, man. Non plus. Là, j'étais plus capable, moi, man. Oh, man. Hey, qu'est-ce ça? J'ai même pas tiré, là. J'ai capoté. C'était un shot de bâton, mais. Ouais, la mais oui, il y a l'air beau en tête. J'ai pas fait ça, le gros. Hey, gros, le sac, là, je l'ai eu dans les mains, non plus. Fuck, man. Je voulais qu'il y ait le show en avant de cette caméra-là. Là, quand il a commencé à fuir de Paris, là, j'ai dit, on le laisse aller. Hey, on l'a eu dans le tapis. Hey, gros. Fantastique. Ouais. Ah oh, là, on est à l'adrénaline en tabarnak, là. Oh, man. C'est bien beau, là, on l'a laissé venir. Il est venu. Il y a quelque chose en arrière de moi qui a fait peur. Il a claqué les dents, il y a une autre ours. Yep. Qu'est-ce que c'est ça? Il est revenu. Il est déroulé là-bas. C'était cool, là. On a eu des moments. Fait que. On va reprendre sur nous autres, là. Pas sûr pour la shot, là. On va revenir. La shot est dedans, mais pas sûr. On n'a pas entendu brûler encore. Non. En tout cas. On était plus capable. Si tu fallais lâcher le shot. Ah oui, là. Oui. À filmer, gros. Mon luminaire, qu'y avait-tu allumé, gros? Sais-tu? Non, j'ai pas remarqué. J'étais emmanché de main avec mon arc, là, à un moment donné, il était temps qu'il se vire de bord. Quand il s'est viré de bord, j'ai tiré. J'étais prêt à chuter. Il se place. Je tire, ça décolle. Yes! Hey, on est fiers, on a notre ours. L'ours est parti. Bon, ben, on va le voir pour ça. 2-3 gouttes de sang. Malheureusement, ma flèche était peut-être 6 pouces trop en arrière. Oui, malheureusement, ma flèche n'était pas vitale. La flèche était comme 6 pouces trop en avant. Le tir a vraiment atteint le gros torse de l'épaule. Le lendemain, il y a le tour à Steve. On prépare toutes nos choses. On décolle avec le pourvoyeur Patrick. On stationne notre side-by-side à peu près une centaine de mètres. Patrick avait décidé de nous rentrer avec son side-by-side. On arrive sur le site. Le même scénario, il prépare tout son setup, le baril. On installe les caméras, monte tout notre kit en haut. On s'assit pour l'attente encore de notre jury. Notre chum Patrick est en train de faire notre setup. Propriétaire de la pouvoirie.
une super de belle soirée, mais ce soir-là, notre ours a décidé de ne pas visiter ce site. Le surlendemain était notre dernière soirée de chasse. La stratégie était de se séparer pour augmenter nos chances de récolter notre ours. Bon, je viens de fletcher, c'est. Je viens de fletcher, c'est un ours. Tiré à 7h30. Fait que là, je vais sortir vite fait, m'aller chez mon chum Patrick, le propriétaire de la pourvoirie. Fait qu'on va le voir pour ça. Pas trop sûr de la shot, là, j'ai pas visionné encore. J'ai pas entendu birdler, puis quand j'entends pas birdler, ça me met ses nerfs un peu. Fait que anyway, on a encore de la clarté, mais on va aller chez Patrick tout de suite. Bon fouille pour ça, bon, on vous en revient voir son là. Excusez-moi, j'étais encore sur le ticker un peu là. J'ai monté à la côte site là. Vive la chasse! On s'en va pour ça mon chum? Yes sir. Hope for the best. On se voit demain de la marde. C'est là qu'il est tombé un trou là-bas. Il a tout arrêté et s'arrachait la flèche. Là. Regarde, c'est plus grave qu'il est laissé. Regarde la flèche, c'est hein. Oui. Ok. Ouais, tu le vois. Bon, ben, on vient de sortir. On a trouvé l'ours. Faites une belle shot. Pareil, on pensait que la shot t'a rough buff un peu, mais non. Ouais. La shot est correcte. Ça, c'est notre porteur de carabine. Fait une belle job, mon chum. On a trouvé ça. On a pris soin de tout déloader. Puis mon gars, ben, il charrie tout. Belle job, gars. Belle job. Belle job. Yes. Fait que pour terminer, à soir, je vais être sur l'attente de mon chum Steve, voir s'il va être capable de récolter son bel ours. Il est parti à la chasse tout seul, il filme tout seul la soirée. Fait que je souhaite bien de la merde à mon chum. Fait qu'on se voit tout à l'heure pour la belle récolte de mon chum Steve. Je suis bien confiant et on y va de l'avant. Let's go, on se voit tantôt. Yes! Là, c'est mon dernier soir à pouvoir de la brûlée. Chasse à l'ours. Ça bouge beaucoup.
très gentil, vraiment accueillant. Là. Fait que y a des grosses possibilités qu'on se réessaye, mais là on s'essaye à soir pour le dernier soir. On va essayer d'être moins difficile. Puis on espère. On ramène nos ours à la pourvoirie et c'est le party. La pesée des ours, les histoires de chasse, quoi de mieux qu'une bonne soirée entre amis pour finir nos vacances. C'est un beau tour, ça! Calé, ben! C'est comment ça? Hey, on fait de belles chasses, c'est ça? Ouais. Oh, allez! Hein? On est tous contents. Yes, sir! Yes, sir! Hey! Hey. Good shot, man. Good shot.
Jump mark. Yes, sir. Après un si beau séjour de chasse, de pêche accompagné de notre petite famille, c'est le temps de partir. C'est Léo, au revoir et surtout, merci. Merci à toute l'équipe de la pourvoirie du lac Brûlé.